Pas dû le tuer. Bah, j'ai tiré dans les jambes. Ou un contrat que t'as pas pu faire autrement. Pas si vite. Bouge pas. T'inquiète pas, Miguel. Tu vas retourner bien sagement auprès de tes chefs à Oaxaca et tu leur diras de me foutre la paix. Je te préviens, si je rencontre encore ta sale gueule sur mon chemin, tu pourras faire ta prière. Qu'est-ce que tu veux? À boire. À boire. De l'eau. Ça va mieux? J'ai rien dans le ventre depuis Oaxaca.
sais, je vivrais bien ici. J'ai été attaqué par des bandits. Mon cheval est crevé. Et je dois me rendre. Je ne te demande rien. C'est seulement une bête qui a faim. Reste tranquille. C'était ma mère. Comment t'appelles-tu? Raphaël. Montre un peu cette blessure. Entre tes dents, il mord très fort. Tu vis ici depuis combien de temps? Bientôt 12 ans. Et avant, où étais-tu? Avant, j'allais d'un endroit à l'autre avec ma mère. Merci, Sébastien. Tu sais mon nom? Tu es connu dans la région. Tu as une réputation d'excellent chasseur. Ah, et j'ai une histoire très intéressante à te raconter demain. Alors, bonne nuit. Repose-toi bien et demain, nous reparlerons de cette histoire. Je vais dormir. Ça suffit, allez, t'as ton corps. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il te rend? La parole. Tu connais pas ta chance, j'ai des ordres pour te ramener vivant, Seigneur Raphaël. Oh!
cogné en m'arrêtant juste un peu pour pas que tu crèves. Je veux seulement t'entendre respirer. Je saurai comme ça que tu n'es pas mort. Maintenant, dehors. Lâchez-le. Toi, fous le camp. Tue-le, Sébastien. Tue-le, je te dis. Fous le camp. Cheval. Le mien n'en pouvait plus. On me poursuit, je te l'ai dit. Je voulais pas que tu sois mêlé à tout ça. Alors je suis parti. Tu ne devais pas me raconter une histoire? Allez, partons. Mets ça sur ton bras. C'est un onguent que ma mère préparait. Ah oui, Maria la guérisseuse. Sébastien, ta vraie mère vit à Oaxaca. Avec l'homme qui a tué ton père. Le général Carrasco. C'était à la fin de la guerre de l'indépendance. Si je me souviens bien, c'était en 67. Je l'ai vu traverser la place d'Oaxaca à la tête de ses hommes. Préparons-nous à l'accueillir dignement comme il se doit. Nous donnerons ce soir une magnifique fête en son honneur. C'est ça. Et maintenant l'autre bras, là. Écoute bien ce que je vais te dire, mon garçon. Isabelle est maintenant une grande fille, et toi, tu deviens un beau jeune homme, Sébastien.
Raphaël dit que tu es une sorcière, Maria. Est-ce que c'est vrai? Ah! Ton père va être fier de toi, mon grand. Oh, vous êtes beaux, mes enfants. Sébastien, mon petit Sébastien. Isabelle. Comme tu as grandi, mon enfant. Papa. Maria. J'attendais ce jour depuis si longtemps. Anna. Anna. Moi aussi, j'ai tant désiré ce moment. Chérie. Mes amis, à la liberté du Mexique. Vivons à la nôtre. À la nôtre. Tes hommes s'amusent, Juan. Après tant d'années de lutte, ils le méritent. Oui, ma chemise. Merci. Ma veste, tu veux? Je ne la vois pas, Juan. Elle était pourtant là. Là-bas, sur la chaise. Anna. Ugh.
Sébastien! Sébastien! Rejoins tes hommes et retirez-vous rapidement sans être vu. Et racontez partout que ce sont les Français qui ont fait ça. D'accord. Les enfants dormaient? Où sont-ils? Ils ont dû avoir peur. Oh, Thomas. Tout s'est passé comme nous l'avions voulu. Ça fait 2 ans maintenant que ta mère ne s'entend plus avec Thomas. Elle le déteste. Est-ce que tu te souviens de moi? Je suis ton ami, Rafael Garcia. Rappelle-toi, souviens-toi. J'étais ton meilleur ami. Oaxaca. Nous nous aimions, mais pour leur tranquillité, ils l'ont mariée à un brave commerçant. Traqué comme un chien, je t'ai cherché dans tout le Mexique pendant plusieurs années. Puis quand je t'ai vu dans cette cabane, je n'en croyais pas mes yeux, j'en revenais pas. Maintenant, nous serons deux. Jusqu'à la mort. Je le savais. Tu sais qui a tué mon père. Comment es-tu encore vivant? Ça, c'est une autre histoire. Servir. Cette nuit, nous nous retrouverons à Tucuan, le premier village après la frontière. Passé le fleuve, nous nous séparons. Il vaut mieux ne pas se montrer ensemble. Alors attends-moi à l'hôtel de Tucuan.
La haine, la vanité et la soif de l'argent dessèchent le cœur et l'âme. Seul l'amour peut éclairer l'existence. Ce fut ainsi, et ce sera toujours ainsi. Rien ne changera jusqu'à la fin des temps. Aide-moi. Tu sais qui a fait ça? Non, non. Qui a fait ça? Ils étaient deux. Je ne les avais jamais vus. Ils ont traversé le fleuve vers le Mexique. Merci. Votre serviteur, madame. Je vous accorde la prochaine valse. Merci. Toutes les jolies filles seront jalouses et mourront d'envie. Madame, je suis très honoré. Veuillez m'excuser. Des nouvelles, Francisco? Oui, madame. Suis-moi.
Fais-la, toi. J'attends, Francisco. Dors. Je t'avais interdit de mettre les pieds ici. Je te le redis pour la dernière fois. Je veux Raphaël vivant. Tu en réponds sur ta tête. Tu as compris? Je m'en charge, madame. Je vous les ramènerai tous les deux. Tous les deux? Oui, madame. Quand Miguel a été tué, ils étaient deux. Trouve-les, Francisco. Prends tout ce qu'il te faut. Je te laisse libre d'agir. Mais ramène-les. Ta folie a assez duré, Anna. Ça suffit comme ça. C'est une vieille histoire. Toi, laisse-nous. Anna. Pourquoi vivant? Il y a longtemps qu'on aurait pu s'en débarrasser pour toujours. Non, plus de sang, Thomas. Plus de sang. Ce n'est pas le remords qui te tourmente. Ce sentiment, jamais tu ne l'éprouveras. Non, c'est la peur qui te ronge. Oui, c'est la peur. C'est ce qui te fait hésiter. Non, tu te trompes. Tu ne comprendras jamais. Il y a quelques années, tu ne parlais pas ainsi. À cette époque, j'avais bien compris. Mais j'ignorais que je te servais seulement à te débarrasser de ton cher mari. Tu n'es qu'une sale putain, Anna. Fais attention, je te préviens. Ne recommence plus, sans ça, je... Il se fait tard. Isabelle, viens, rentrons chez nous. Allons. Rentrons. Tiens en cage, ta belle colombe, hein, Juanito? Ce serait dommage qu'un jour tu poses tes sales pattes sur elle. Qu'est-ce que vous voulez? Te dire ceci. Je sais que Raphaël va venir à Oaxaca. Si tu le vois avant nous, tu as intérêt à nous prévenir. Ainsi, nous serons beaucoup plus tranquilles. Et toi aussi, pauvre idiot. T'es entendu, Juanito? En haut. Isabelle,
J'ai tout entendu. Isabelle, il va falloir quitter ce pays. Loin d'Oaxaca, nous pourrons peut-être enfin trouver la sécurité. Tu sais que je continuerai de te respecter en tenant la promesse que je t'ai faite. Je n'oublierai jamais que, contre ta volonté, on t'a forcé à m'épouser. Je te demande pardon, mais moi, je t'aime. Et plus nous vivons ensemble, plus je t'aime. Partons, Isabelle. Partons avant qu'il ne soit trop tard. Ici, c'est mon pays. Le pays où se trouve l'assassin de mon père. Non, il faut que je reste. Changer de cheval. Et il m'est resté assez d'argent pour acheter des habits. Est-ce que je suis beau? Il est splendide. Oh, je ne vous voudrais pas. Mon nom est Elisa. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je travaille aussi la nuit. Et si vous m'appelez, vous serez satisfait. N'oubliez pas mon nom, je m'appelle Elisa. Elisa, demande à ton patron s'il y a une autre chambre de libre pour moi. Il y en a une, juste à côté de la mienne. Rien, j'ai envie de boire. Bonjour, Seigneur. Bienvenue à Tijuana. Regardez, il vous plaît ce joli poncho? C'est du lama, ça vient directement du Pérou. Décoré par des mains de vierges et béni par la Madone de la Guadalupe. Vous n'en voulez pas? Ah, vous le regretterez. Tu ne m'offres pas à boire? Demande ce que tu veux. Est-ce que je te plais? Oh, Conchita! Alors donne, Conchita! Thank you.
quelle attention, seigneur. Prenez l'escalier. C'est au fond, troisième chambre à droite. Merci. Merci, seigneur. Réveille-toi. Il fait jour. Reste encore, ne t'en va pas. J'ai entendu marcher dans le couloir. Ça doit être le patron, il est déjà levé. Bienvenue, Anna. Que puis-je pour toi? Pour l'amour du ciel, aidez-moi. Parle, je t'écoute. Tu peux me faire confiance. Sébastien va revenir. Il est vivant. Vous vous souvenez du fils de la gouvernante, un ami d'enfance d'Isabelle. Eh bien, quand nous avons su qu'il s'aimait, Thomas lui infligea une mutilation atroce. C'est moi qui lui ai sauvé la vie. Il y avait déjà eu trop de morts autour de nous. Continue, Anna. Depuis des années, Raphaël était à la recherche de mon fils. Aujourd'hui, il l'a retrouvé. En es-tu sûre? Un pressentiment. Un jour, il franchira le seuil de notre maison. Il s'approchera de moi. Il me regardera bien en face. La haine d'Isabelle est déjà si profonde. Mon père, je vous en supplie, aidez-moi, je ne peux plus supporter tant de haine. Dans deux jours, ce sera l'anniversaire de la mort du général. C'est cela, Anna. Oui. Je prierai pour le repos de son âme. Et j'implorerai pour toi l'aide de Dieu et sa miséricorde pour que dans ta famille, il n'y ait plus de haine et que seul règne l'amour. Je ne peux rien faire d'autre. Merci, mon père. Filez Oxaca et prévenez Monsieur Thomas. Allez, nous, par ici.
Faites-la entrer. Violence me déplaît, mais c'était le seul moyen d'avoir un entretien avec toi. Tu dois quitter Osaka. Pourquoi? Pendant des années, ta présence a compliqué ma vie et celle de ta mère. J'en ai assez, ça suffit. Si je m'en allais loin d'ici, cela ne te rendrait pas l'amour de ma mère. Il y a eu et il y aura d'autres hommes que toi dans sa vie. Tu le sais, comme tout le monde. Et vous subirez tous les deux votre complicité de bête sauvage. Ma mère porte dans son sein la damnation et le vice de la chair. Cette damnation et ses vices l'ont poussée à commettre un acte odieux. Tu es un criminel, un monstre. Entrez, entrez, par ici, mais venez, messieurs. Passez par ici, là. Là, par ici. Bienvenue, seigneur. Ici, vous êtes comme chez vous. Comme vous le voyez, vous pourrez tous dormir. Toi, là-bas. Donne-nous à boire et fais-nous servir par la file. Qu'est-ce que t'as? Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, 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 seigneur. Mais tout le monde dort. Oui, oui, seigneur, à vos ordres. Tout de suite, j'y vais. Mélina, prépare à boire. Va les servir, allez. Mmh. Allez-vous-en, allez, dors. On ferme tôt ce soir. Miguel, Pedro, vous avez entendu? On ferme, dors. Seigneur. Seigneur, partez, je vous en prie. Et là, dépêche-toi et prépare vite quelque chose à manger. Seigneur, emportez la bouteille, mais allez-vous-en, je vous en prie. Et pourquoi il reste là, celui-là? Parce qu'il est complètement sous. Allons, seigneur, il est tard. Je partirai si je veux, tu entends? Laisse-moi tranquille, laissez-moi. Ça va, ça va. La bouteille! Le patron, ma bouteille! Seigneur, donnez-vous la peine d'entrer. Ce soir, on va s'amuser. Laissez-moi! Lâchez-moi! Celui-là n'est pas digne de toi. Celui-là non plus. Ce serait plutôt lui. Amène-la par ici! Laissez-moi!
Mais brute, lâchez-moi! Elle est à toi. Prends-la. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Je ne pensais plus à ton infirmité. D'être un homme. Il ne te reste plus que tes bras, que cette force-là. Mais cette force, je te l'enlèverai. Bâtard! Je vais te rendre heureuse! Je suis un vrai homme! Lâchez-moi, brûle! Ah! Oh! Crois en Dieu, demande-lui de ne plus jamais te trouver sur mon chemin. Sinon, tu pourras faire ta prière. Permettez-moi de vous accompagner. Je voudrais tant voir Isabelle. Non, Juanito. Je veux voir seule ma fille. Dépêche-toi, Juanito, dépêche-toi ou je casse ta baraque. Et tu m'entends? Apporte une bouteille. Non, deux bouteilles de tequila. Ferme-la. Hein? Il est beaucoup trop tard, amigo. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Il n'est pas tard, il fait plein soleil depuis longtemps, amigo. Hein? J'ai dit qu'il est trop tard. Ça va, j'ai compris. Tant pis, je boirai de l'eau. Ah, Juanito, il vaut mieux partir parce que ta boutique est fermée. Il est tard, c'est lui qui l'a dit. Va-t'en, Panchito. Vous désirez quelque chose? Je suis un ami de Raphaël. Où est Isabelle?
Venez avec moi. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Où est Isabelle? Isabelle? Ne restons pas là, entrons, veux-tu? Il serait temps que nous parlions de choses sérieuses, calmement. Je t'ai posé une question, mon cher Thomas. Paco! Demande à Isabelle de venir. Tout de suite. Ça suffit pour aujourd'hui. Allez-vous-en! Allez, allez, filez! Arrête, Louis! Si je n'agissais pas ainsi, personne ne paierait. Tu m'as appelé, chérie? Désolée, je ne suis pas très présentable, mais je suis tellement fatiguée. Pourquoi m'as-tu abandonné si vite, mon chéri? Je ne comprends rien. Je te jure, Anna, elle ment, il n'y a rien. Elle est à toi. Prends-la et fouette-la jusqu'au sang. Dépêche-toi. Isabelle. Qui êtes-vous? Un ami de Raphaël Garcia.
j'ai tenu la promesse que je t'avais faite. Je l'avais juré. Isabelle, c'est ton frère qui est là. Sébastien, jure-moi devant Dieu que rien n'empêchera ta vengeance, même si tu devais tuer celle qui nous a donné le jour et dont nous portons le nom. Isabelle. Jure-le, Sébastien. Finira dans la démence. Voilà 50 000 pesos et le contrat de l'hacienda à ton nom. Le prix de ton silence, cela doit te suffire. Alors maintenant, quitte cette maison immédiatement. Monsieur Thomas, Juanito voudrait parler à madame. Fais-le entrer, Mario. Je ne veux recevoir personne. Qui a-t-il parle? Eh bien, un étranger vient d'arriver. Il apporte des nouvelles de Sébastien. Mais c'est impossible, voyons. Sébastien est mort. Je viens de le voir et je lui ai parlé. Et je suis sûr que tout ce qu'il m'a dit est vrai. Où se trouve-t-il? Chez moi, seigneur. Merci, Sébastien. J'attendais ça depuis longtemps.
Il apporte de mauvaises nouvelles. C'est toi, l'étranger? Oui. Je t'écoute, parle. J'avais un ami. Il assurait être le fils d'un grand, d'un célèbre général. Il me parlait très souvent de cette maison. Et aussi de vous, madame. Il disait que vous étiez sa mère. Mais cet ami, qu'est-il devenu? Et comment s'appelle-t-il? Il est mort. Son nom était Sébastien. Étranger, merci pour ces renseignements. Reviens demain, je te récompenserai. Un moment. Tu ne te souviens pas? Tu le reconnais? Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-la! Sébastien, c'est lui l'assassin de ton père! C'est lui qui l'a tué! Arrête! Ne bouge pas! Notre père, je l'ai vu l'achever, alors que blessé, il allait vers ta chambre pour tenter de te sauver. Elle ne mérite aucune pitié. À vous, mère, à vous. Dis-lui. Je t'en prie. Ne m'appelle pas ainsi. Tu nous as toujours détestés parce que nous sommes du même sang que celui que tu as assassiné cette nuit-là. Oh, mère. Oh, mère. Pardonne-moi, Isabelle. Toi aussi, Sébastien. Je ne suis pas votre... votre mère.
pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non. Laisse-moi, Raphaël, écoute-moi. Si tu me laisses partir, je te jure que tu seras riche et respecté. Et je te dirai la vérité sur cette histoire. Laquelle? Celle d'Anna Carrasco. Elle n'est pas la mère de Sébastien et d'Isabelle. Anna ne pouvait pas avoir d'enfant. Crois-moi, Raphaël. Crois-moi. Leur vraie mère était une modeste gouvernante qui mourut quand ils étaient très jeunes. Thomas !